Salut à tous, là je suis en arène 1v1, je vais tenter le bug d'Imitraillette. Et ça marche. Et voilà que j'ai mon IMO qui revient. En gros c'est aléatoire, là je vais tenter destruction d'armes dessus. Il tape vite. Voilà. Ensuite comment ça s'appelle? L'arquebusier, je vais tenter un poison dessus. Au lieu du poison, bah, vous voyez que le DPS il marche super vite. Et pour finir, ça a mis un poison. Sur le Kavak à ma gauche, du moins sur la droite de mon héros, je vais tenter la destruction d'armes. Voilà une série de coups assez rapides aussi. Voilà, avec comment dire, avec certains skills ça va plus vite que d'autres, je sais pas pourquoi. Là je vais tenter l'IMO. On rampe la l'IMO, vous voyez c'est un truc de fou. Tenter l'IMO sur celui-là aussi. Ah bah là l'IMO il est passé. Destruction d'armes aussi est passée. Je vais tenter le poison sur celui-là vu qu'il me reste que ça comme sort. Voilà. Et le poison finir par passer. C'est vraiment phénoménal. Là, je vais essayer de prendre mon pet. Attendez, déjà, je vais prendre ça. Donc, je vais prendre mon pet. Avec mon pet, je vais venir taper l'arquebusier. C'est passé. Là, je vais faire avec la volée de coups de l'autre. Voilà. Et celui-là aussi, il est passé. Vous voyez, ça pose vraiment un problème parce que bon bah, on veut utiliser les sorts, on n'y arrive pas. Mais ce qui se passe en revanche, c'est que ça tape plus vite. Donc, je retourne avec mon héros et je vais faire l'IMO. L'IMO est passé. J'attends que mon pet recharge. Voilà. On retente. Oh, c'est vite passé celui-là. Le deuxième. Et il passe aussi. Bon, avec le pet, on dirait que ça a plus de facilité à passer, hein. Mais par contre, je bug toujours autant, quoi. Là, je fais avec le poison. Tiens, avec le pet. Mais il faut que le sort, il soit pas utilisé. Bon, après, si le sort, il est utilisé, ouais, là, je peux pas utiliser le sort vu que j'ai plus le skill, etc., quoi. C'est tout pour ce tuto.